je suis choisie, l'amour même. L'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Et bonjour à vous les choisis de Jésus, je vous salue chaleureusement. Pour certains, il y en a qui sont le matin, d'autres l'après-midi, d'autres le soir. Alors c'est la beauté des communications aujourd'hui. Et je vous salue. Et je demande à Dieu de venir toucher votre cœur par la puissance de son esprit. Nous sommes dans la semaine où nous nous préparons à la fête du Sacré-Cœur, jeudi. Cette année, c'est spécial. Habituellement, c'est le vendredi. Mais vu que c'est la fête de Saint-Jean-Baptiste, Jésus va passer avant. Hein? Et aussi, la fête du Cœur Immaculé de Marie. Donc, une semaine spirituelle. Une semaine où nous sommes invités à découvrir l'amour de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes au numéro 21 du volume 1. Et les volumes nous permettent d'apprendre à prier, tout simplement. Tu sais, on a été habitué à dire des formules quand on était jeune. Et puis, aujourd'hui, avec les volumes, on voit que c'est la vie qui nous incite à prier. Et je commence par vous lire la prière du numéro 21. Seigneur Jésus, je veux vous remercier, dire merci, vous louer et vous bénir pour ce que vous m'avez permis de vivre depuis un mois. Ça commence bien. C'est prendre le temps de dire, Seigneur, je suis devant toi, je suis en prière, et quand je te prie, tu m'écoutes. Il n'y a aucune prière que nous faisons où Dieu n'écoute pas. Aucune. Et Dieu a cette capacité d'entendre les prières. Et en plus de les exaucer, pour sa gloire et notre plus grand bien. Alors, depuis un mois, semble-t-il, Léandre vivait quelque chose de beau. Puis il dit, Seigneur, je te présente ça. Puis je prends le temps de te dire merci pour ce que je vis de beau. Puis je te loue, je t'en rends grâce et je te bénis. Ça veut dire la louange jaillit du cœur. En me permettant de m'unir davantage à vous et également pour tout l'amour que vous m'avez manifesté à travers ces réflexions inspirées. Alors, il prend conscience, Léandre, bien le Seigneur lui a fait une grâce merveilleuse, importante, une grâce à partager avec nous et nous le faisons aujourd'hui. Et on lit ses prières, on lit les réflexions, et ceci fait du bien à notre vie spirituelle. Merci enfin, Seigneur, il continue, pour l'enseignement reçu. Aujourd'hui, je ne veux vivre que par vous, pour vous et à travers vous. Alors, je veux vivre par vous. Ça veut dire, c'est le Seigneur qui agit
Pour vous, ça veut dire toute ma vie est consacrée à accueillir l'amour de Dieu et à le partager. Et à travers vous, ça veut dire, Seigneur, passe, je passe par toi pour rejoindre les autres. À travers le Seigneur, je veux répandre l'amour. À travers le Seigneur, je veux aimer. À travers le Seigneur, je veux servir. À travers le Seigneur, je veux apporter la joie. N'est-ce pas une belle mission? N'est-ce pas un beau message que nous recevons aujourd'hui? Et il continue. Je vous redis mon oui total et sans condition. Ça, c'est un cheminement qu'on a à faire. Parce que parfois, on hésite à dire oui. On hésite à répondre au Seigneur parce que on s'imagine des choses qui n'arriveront pas. Hein? Parfois, on peut ressentir l'appel de Dieu à poser des gestes, puis on dit, si je fais ça, ça m'amène à autre chose. Puis là, on commence à fabuler. Alors que si le Seigneur nous appelle, il nous dit, je vais être avec toi. Et si tu réponds à mon appel, tu vas voir des merveilles. Il y aura des difficultés, mais tu vas passer au travers parce que moi, je t'appelle à accomplir quelque chose. Et si je t'appelle, je vais te donner la capacité de répondre à cet appel. Donc, pourquoi craindre? Pourquoi avoir peur? Pourquoi résister à cet appel de Dieu? Ça va être pour nous un chemin de bonheur. Je me veux ce tout petit instrument entre vos mains, mais bien docile. Alors, avec les années, Léandre a écouté l'appel de Dieu, a répondu, puis a eu des hésitations, puis il a continué. Et à un moment donné, il s'aperçoit qu'en répondant généreusement à l'appel, eh bien, il est heureux. Il se passe des belles choses dans sa vie. Et il termine, « Seigneur, je vous aime. » Il le redit. Puis nous-mêmes, parfois, quand on a fait des erreurs, même quand on a fait des péchés, dire « Seigneur, tu sais bien que je t'aime. » Comme Saint-Pierre a dit, lorsque Jésus lui dit « M'aimes-tu? » « Seigneur, toi qui sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Alors cette prière loue Dieu pour des merveilles qui sont accomplies, pour des grâces reçues, parce que ça va bien. Alors, il rend grâce à Dieu. Et cette semaine, je suis tombé sur une belle histoire et qui vient compléter celle qu'on vient de lire, cette prière. Et c'est assez surprenant parce que c'est une personne connue dans le monde entier. C'est un jeune adulé par les jeunes. C'est Justin Bieber. Il a 28 ans et il rencontre actuellement l'épreuve de la maladie. Et c'est très beau. J'ai trouvé ça sur un site religieux où Justin Bieber raconte ce qu'il vit présentement. Il est dans cela, là. Et je veux vous le partager parce que des fois, on dit, bien ça c'est facile quand tout va bien, de rendre grâce à Dieu, de louer Dieu, de le bénir parce qu'on reçoit. Mais quand l'épreuve arrive, c'est plus difficile. Mais regardez ce qui se passe. Tu sais, je prends le temps, là,
de vous raconter cette belle histoire. Ceux qui ne connaissent pas Justin Bieber, pour ceux qui vivent au Québec, il annonce les beignes de Tim Hortons et il casse le français. Il a appris un texte en français, puis c'est un type qui parle l'anglais. Mais c'est une belle annonce, tu sais, qui est très sympathique et très jeune. Alors, voici le texte que j'ai trouvé. Le chanteur Justin Bieber a partagé le 10 juin 2022, donc la semaine dernière, sur Instagram, une vidéo dans laquelle il témoigne de sa confiance en Dieu alors qu'il traverse l'épreuve de la maladie. Il faut le faire. Admiré par des millions de personnes pour son sourire ravageur. Alors, c'est un bel homme. C'est un jeune qui est sur Internet depuis sa tendre enfance et puis à son adolescence. Alors, les filles courent après lui. Le chanteur Justin Bieber a partagé le 10 juin dernier sur Instagram une vidéo dans laquelle il révèle un visage affecté par la maladie. Atteint du syndrome de Ramsey-Hunt, le jeune homme de 28 ans explique que la moitié de son visage se retrouve paralysée par un zona au niveau de l'oreille qui affecte les nerfs faciaux. Alors, il y a tout un côté du visage qui est paralysé et même la paupière de son œil est fermée, se ferme facilement. Contraint de se retirer temporairement de la scène, ce qui est une épreuve, parce que tu as des contrats déjà, tu as des concerts de planifiés et il faut tout annuler parce que tu es malade. Alors, il se retire temporairement de la scène. Il témoigne dans cette vidéo mettre sa confiance en Dieu. Et demande à ses fans de prier pour lui. Je vous aime, les gars. Gardez-moi dans vos prières. Tout ça, tu sais, ça m'a vraiment édifié. Un jeune de 28 ans, populaire, millionnaire, qui vit dans le luxe. Et là, il est attaqué par une épreuve. Et qui vient attaquer aussi, je dirais, son sex appeal, hein, sa beauté. Alors, il y a de la misère. Et il accueille. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce que je suis en train de vivre. Et Seigneur, je me tourne vers toi, j'ai confiance en toi, et ceux qui m'admirent, je leur demande de se tourner aussi vers toi. Très beau témoignage. Alors moi, ça m'a touché. Et dans un autre message publié sur Instagram, il nous livre un touchant témoignage, plein d'humilité sur la manière dont Jésus l'aide à faire face à la maladie. Alors, il a écrit le 10, « Je suis malade et je me confie à Dieu. » Un peu plus tard, il envoie un autre message pour écrire ceci. « Chaque jour est meilleur que le précédent. Et dans l'inconfort de ma situation, j'ai trouvé le réconfort dans celui qui m'a formé et me connaît. » Quelle merveille! Tu sais, le psaume 138, « Seigneur, c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Tu me connais avant même que mes pensées
arrive, tu les connais. Tu sais ce que je vais faire. Très beau psaume 138. Alors, Justin Bieber dit, Seigneur, de jour en jour, ça s'améliore. Est-ce que c'est sa santé qui s'améliore ou tout son intérieur? J'ai trouvé le réconfort dans celui, dans le Christ, dans Dieu, dans l'Esprit qui m'a formé et me connaît. Je me suis rappelé qu'il connaît tout de moi, tout mon être. Il connaît les parties les plus sombres de ma vie, celles que je ne voudrais révéler à personne. Et pourtant, il m'accueille à chaque instant dans ses bras aimants. C'est touchant de lire ça, d'un jeune de 28 ans qui est envahi par la popularité et qui est apprécié, adulé, et qui dit « Seigneur, dans ma vie, j'ai fait des choses et je le reconnais, ce n'était pas bien. Même j'en ai honte, mais, toi, tu continues de m'accueillir malgré ce que j'ai fait et tu m'ouvres tes bras aimants. » C'est très profond, ça. Cette perspective, il continue, me permet de traverser la terrible tempête que j'affronte en paix. Ce que je vis là, c'est pénible, c'est dur. La maladie, mais j'affronte la tempête. C'est pas juste une petite vague, là. C'est une tempête. Je l'affronte en paix. Quand je descends dans mon cœur, j'y trouve quoi? La paix. J'y trouve qui? Dieu. Dieu que j'avais oublié. Dieu qui est toujours là, mais je ne connaissais pas sa présence. Et là, parce que je suis malade, parce que je me suis arrêté, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. J'ai levé les yeux et j'ai vu le Christ mort sur la croix par amour pour moi. Il m'ouvre ses bras aujourd'hui. Je sais que cette tempête va passer, mais en attendant, et il écrit en lettres majuscules, Jésus est avec moi. Il est là. Il est là aussi pour toi. Il est là, toi qui m'écoutes. Si tu es dans la joie, il est là. Si tu es dans la peine, il est là. Si tu es dans la souffrance, il est là. À n'en pas douter, dit l'auteur, son demi-sourire cache une véritable espérance. Des milliers de fans assurent d'ailleurs Justin Bieber de leur affection et de leur prière. Et des gens de prière. Je ne cesse de prier pour ton rétablissement, frère. C'est un jeune qui lui écrit ça. Repose-toi et garde la foi. Un autre jeune. Je vis ça avec toi. Je t'admire, je t'adule, mais garde la foi. Que Dieu t'accompagne. Chacun de ses commentaires est salué de milliers de likes où on dit « j'aime ça ».
J'aime lire ce que je viens de lire. La star saisit finalement sa maladie comme une occasion pour évangéliser. Alors, dans notre vie, parfois, on rencontre des épreuves. Est-ce qu'on s'en sert pour rebondir? Est-ce qu'on s'en sert pour approfondir? Est-ce qu'on s'en sert pour grandir, pour avancer, pour progresser? C'est notre choix. Alors, Justin Bieber, populaire, millionnaire, qui, avec son confort, bien entouré, aurait pu se révolter, aurait pu se cacher, critiquer, accuser Dieu. Non. Il dit, Seigneur, cette maladie vient de m'arriver, mais tu es là. Tu es avec moi. Je ne suis pas seul. C'est vrai, il y a mes amis, il y a ma famille, il y a mes fans, mais toi, tu es la présence la plus importante. Alors, chers amis, aujourd'hui, c'est la réflexion que je fais avec vous et pour vous. Et je me laisse édifier par ce jeune, hein, ce jeune qui découvre une présence spéciale dans sa vie à travers la maladie. C'est édifiant. Et moi qui n'ai vu beaucoup, je suis dans la vieillesse, je m'émerveille de voir un jeune de cette qualité qui est capable d'aller en lui et de rencontrer le Dieu créateur. C'est ce que je te livre aujourd'hui. Et j'espère que cette rencontre du mardi, eh bien, cette rencontre du 21 juin, t'aidera toi aussi à reconnaître que tu n'es pas seul, jamais seul. Qu'importe ce qui arrive dans ta vie, il est là. Adorons-le et ouvrons-lui notre cœur, parce que lui nous ouvre ses bras. Alors, nous allons conclure par ce beau chant et qui vient nous dire l'amour encore. Dieu est amour. Et si on vit dans l'amour, on goûtera le bonheur. Écoutons ce chant. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Accueille-moi, donne tes oui. Donne tes oui aujourd'hui, ainsi l'amour te changera et tu deviendras l'amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Accueille-toi comme un ami aujourd'hui. Tu es mon bien, mon tout petit, tendrement je t'ai choisi. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour.
La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Reste tout près du cœur de Dieu, du cœur de Dieu aujourd'hui. Tu trouveras la liberté en vivant sa volonté. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Heureux es-tu d'être choisi, d'être choisi aujourd'hui, pour que le règne de l'amour s'étende à l'humanité. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Alors, c'est un très beau chant que j'ai choisi à plusieurs reprises dans mes entretiens. Puis, ça vaut la peine d'écouter souvent le même chant. Et il a une saveur à chaque fois. Alors, accueillir l'amour de Dieu. Alors, Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, merci pour cette rencontre. Merci pour ce jeune Justin Bieber, que tu as comblé de tes talents et que tu es en train de lui faire découvrir combien tu es bon et miséricordieux. Et par lui, tu viens nous dire aussi, je suis avec toi, je suis bon, je suis miséricordieux, je veux ton bonheur. Alors Seigneur, fais descendre ta bénédiction sur toutes les personnes qui vont écouter ce Facebook Live. Qu'importe où est cette personne, que tu la rejoignes par la puissance de ton esprit. Et moi, à cause du pouvoir que le Seigneur m'a donné dans sa bonté, aujourd'hui, je vous bénis et je bénis toutes les personnes que vous portez dans votre cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit pour plusieurs parmi vous, et à la semaine prochaine. Je suis choisi, l'amour m'aime. L'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour.